Salut à toutes et à tous, ici Calion et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Donc il y aura un gameplay en fond, je vais pas parler trop longtemps de toute façon. C'est pour vous annoncer que bientôt il y aura une FAQ vu qu'on approche lentement des 2000 abonnés. D'ailleurs ça avance assez vite je trouve, enfin les abonnés viennent assez vite, c'est plutôt cool. Et voilà, j'ai prévu de faire une FAQ pour les 2000 abonnés ou même un petit peu avant si possible. Donc je vais faire une vidéo spéciale exprès pour les questions si vous en avez. Et puis voilà. Donc pourquoi une FAQ? Bah parce que ça fait très longtemps qu'on m'en avait demandé. Beaucoup de gens m'en avaient demandé à une époque. Et du coup je me suis dit pour le coup c'était pas très utile d'en faire une sur le moment parce que j'avais pas trop un énorme public. Enfin je dis pas que j'en ai un énorme mais c'est déjà beaucoup ce que j'ai. Donc je me suis dit je vais attendre un palier d'abonnés on va dire, ou même d'activité sur ma chaîne, et je vois que ça ressort un peu l'activité, c'est plutôt cool aussi. Et de ce fait je me suis dit bah tiens je vais la faire bientôt vers les 2000 ou même un petit peu avant si possible. Donc voilà. Je ferai une vidéo spéciale dans quelques mois. Parce que je doute qu'on atteigne les 2000 abonnés avant la fin de l'année, ça c'est juste impossible. Donc après Noël probablement. Pour que vous puissiez poser vos questions sur cette vidéo là. Ça évitera de poser des questions sur celle-là, parce que sur celle-là, il y aura d'autres choses aussi, d'autres infos, donc ce sera un petit peu le bordel quoi. Donc bon voilà, vous êtes prévenus. Ensuite, le deuxième sujet. C'est comme vous l'avez vu, l'activité de la chaîne a repris un rythme constant, normal on va dire. C'est-à-dire 3 vidéos par semaine avec des contenus variés et tout ça. Donc j'ai modifié les miniatures, enfin maintenant je l'ai fait à ma façon, je veux dire je fais plus juste une image épisode 1 XD et puis voilà. J'essaie vraiment de mieux m'appliquer, j'espère que les miniatures vous plaisent. Ça comment dire, c'est pas difficile au final, je pensais que ce serait chiant et tout, mais j'adore, je kiffe. Et c'est vrai que ça change des miniatures basiques où je mettais toujours la même à chaque épisode et je changeais juste le nom d'épisode. J'avoue que ça commençait à me saouler un petit peu. Et j'ai commencé à le faire avec la fin de Poképark, et j'aurais dû le faire avant, c'est un peu dommage. Je l'ai fait avec Dragon Ball Z actuellement, je le fais avec le Seigneur des Anneaux et tout ça. Et j'espère vraiment que ça vous plaît. J'essaie de trouver dans les gameplays des images assez jolies, des trucs qui démontrent ce qu'il y aura dans l'épisode. Et j'espère que ça vous plaît. Bon, par la suite, comme vous le voyez actuellement, nous avons deux let's play en cours, c'est-à-dire la Terre du Milieu, l'Ombre du Mordor, qui se passe donc le week-end. Et en semaine, deux épisodes par semaine de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 2. Je voudrais avoir un avis de votre part. C'est que, est-ce que vous voudriez qu'on passe de deux vidéos la semaine et une le week-end à deux vidéos la semaine et deux le week-end, c'est-à-dire que vous aurez deux épisodes de La Terre du Milieu, l'Ombre du Mordor sur le week-end, chaque week-end. Donc n'hésitez pas à me le dire. J'espère vraiment que ces deux let's play continueront à vous plaire. Pour l'instant c'est bien parti, je suis très content, surtout Dragon Ball Z, c'est un jeu que je kiffe à mort. C'est celui que j'ai le plus campé de toute mon adolescence et franchement j'étais très content. Vous me direz vos avis si la première hypothèse vous plaît ou plutôt la deuxième. Le tutoriel sur Swain le corbeau soin sur League of LOL. Il sortira donc, attendez que je dise pas de conneries, je mets une date de sortie comme ça me force à faire le montage. Il sortira le vendredi 17. Les vendredis 17, à la place de Shadow of Mordor. Donc je suis désolé pour ceux qui voulaient voir Shadow of Mordor pour le coup, mais ce sera un tuto de LOL sur Swain, voilà. Et c'est pour ça en fait que je vous demande si vous voudriez deux épisodes de Let's Play par week-end, parce que de temps en temps je sortirai des tutos sur LOL très travaillés, vous allez voir par vous-même que j'ai passé un sacré paquet de temps dessus quand même. Et justement ça comble le fait que la personne qui voulait voir, enfin l'abonné qui voulait voir la série du week-end, au final ne la verra pas parce qu'il y a un autre truc. Justement comme ça il y aura le tuto plus
un épisode au lieu de deux si vous choisissez ce truc-là. Donc voilà, j'espère vraiment que vous me direz votre avis. Et pour justement le tuto de Swain, j'ai vraiment essayé de tout dire, de tout vous faire comprendre, gameplay, runes, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Bon, il est pas encore sorti, mais bon, on est le 15 et il sort le 17, bon, c'est pas grave. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Ensuite, je sais qu'on en a pour un moment, en fait, sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, car un 5, il est assez long. Et de ce fait, je crois que je vais couper les moments où est-ce qu'on est hors combat. Ce que je veux dire par là, c'est si jamais je m'en vais, je m'égare vers la boutique, ou vers la ville est, sud, ouest ou nord, ça je le coupe. Vous savez, en gros, je mettrai que les trucs du scénario, c'est-à-dire les combats de scénario, cinématiques. En fait, je couperai juste ce qui n'a rien à voir avec le scénario. Ça pourrait peut-être nous faire avancer plus rapidement, et ce serait peut-être encore mieux pour les intéresser, puisque ils verront l'histoire, ils verront le jeu, ils découvriront encore plus. Et ce serait peut-être mieux. Parce que j'avoue que de temps en temps, je commence à m'égarer à partir vers ça pour acheter ça. Et après, on perd 5 minutes et tout. Alors peut-être que je vous dis, il y en a qui trouvent ça chiant. De ce fait, je me dis qu'il faut toujours essayer d'optimiser et se rendre indispensable dans ce qu'on fait. Voilà. Donc, pour le gameplay en fond, je sais même pas ce que je mettrai. Oh la vache, c'est pas grave. J'essaierai de faire un tuto de LOL sur chaque personnage. Allez, tous les 2 mois peut-être, voire tous les mois si j'y arrive vraiment, parce que bévélé, j'ai pas forcément le temps de faire ça tout le temps, mais bon, on va essayer. Après, ce sera tous les 2 mois peut-être, je vais essayer aussi. J'essaierai vraiment, ouais. Donc, comme vous le pouvez constater, la chaîne est repartie à vitesse grand V au niveau du contenu, donc ça, j'espère que ça vous plaira. Par contre, il se peut que sur Budokai Tenkaichi 2, je tourne pas mal de vidéos en avance par rapport aux sorties que vous aurez à chaque fois, chaque jour en question. Et je tournerai en avance parce que, tourner au jour le jour, franchement, j'aurai jamais le temps, quoi. Ça recommencera comme avant, ce sera une vidéo, voire 2 vidéos toutes les 3 semaines, et ça, c'est, je sais que ça vous faisait chier. Même moi, ça me faisait chier parce que j'avais envie de tourner, mais j'avais quasi pas le temps, ou pas l'envie pour le moment. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je tourne une session de vidéos, comme ça, ça me fait des vidéos de côté, et puis vous, ça vous fait du contenu sans pause, en fait, donc c'est pas plus mal. Après, il n'y a pas forcément besoin d'interaction directe par rapport à certains trucs sur Dragon Ball Z, puisque c'est du scénario, c'est du combat, et en plus, j'essaie vraiment de vous montrer tout sur le moment, donc au pire, si j'oublie un truc, je verrai dans l'épisode suivant que vous verrez quelques jours après, donc c'est pas grave, on va dire. Et Shadow of Mordor, par contre, j'essaie de faire au fur et à mesure voir ce qui se passe, et surtout interagir avec vous si vous avez vu des choses que moi je n'ai pas vues, etc., etc. Puis de toute façon, j'ai le temps vu que c'est chaque week-end, donc voilà. J'espère vraiment que cette nouvelle programmation de vidéo vous plaît, parce que moi, je trouve que c'est bien comme ça, et puis c'est reparti comme avant, hein. On a un contenu régulier, tout ça. Et puis, voilà quoi. C'est trop soif, YOLO, toi même tu sais, posé dans le canapé. Et la série Let's Ranked, bordel de merde. Quand la saison 5 de LOL recommencera, je ferai une série Let's Ranked aussi. Vous inquiétez pas, et du coup, je remettrai la programmation, je la changerai au niveau des sorties de vidéos. Mais on verra, c'est dans très très longtemps. La saison 5 recommencera sûrement vers février, en fait. Donc c'est pas très 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 tout de suite. C'est pas très français non plus, mais c'est pas grave. Vous avez compris le fond de ma pensée. Donc voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et aux prochaines séries, vidéos, épisodes, et tout le tralala. Et puis voilà, allez, salut!